On va le fumer avec sa meuf. On va le fumer. Aujourd'hui, nous allons exercer. Calmez-vous. 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 Bon les frérots, on est à la place de Clicli. On attend le frérot Paris Bike. Donc il devrait pas trop tarder logiquement. Donc on va aller faire des petites photos de nuit. Petit shooting de nuit, ça va faire plaisir. Parce que c'est vrai que j'ai pas assez de photos, voire j'ai quasiment pas de photos de nuit sur mon Instagram. Donc si jamais tu me suis pas, et bah va t'abonner, tu vois. C'est ça me suffit officiel. Attends, je te montre ça en direct sur le téléphone, baby. Voilà. Tu vas t'abonner, tout ça, tout ça. Tu vas liker, tu vas commenter les photos si elles te plaisent. Résolution 2020, voilà, là tout de suite maintenant, faut que j'ouvre une nouvelle boutique en ligne pour que vous puissiez commander vos suites, vos t-shirts, vos porte-clés, vos stickers. Faut que je vous mette ça en ligne, donc faut vraiment que je me mette dessus. Croyez-moi, je vais faire tout mon possible pour que pour vous ayez ce loisir. Bon, j'ai mis un petit coup de propre sur le stroumon, bon, vraiment vite fait, parce que t'as vu les juste passé un petit coup, t'as vu, sur le pot. Regarde un petit peu l'état des jantes, c'est désolant. Je suis vraiment un gros crasseux. Bah, à chaque fois que je roule, en fait, je me prends tout le temps la pluie, tu vois. Ah, je crois que c'est le frérot, ça. Ah, c'est le frérot. Ah. Ah ouais, toi, t'as remis la visière noire. C'est quoi, t'as... Mais t'as reti... Attends, t'as reposé moi. C'est quoi ton Insta? Paris Bike. Putain, elle est fraîche ta veste, gros. Ouais, ah, elle est merci, franchement. En plus, je crois que c'est ma taille. Ah bon? Monter à 110. Moi, je suis le bouffon du roi, en fait, parce que là, avec toutes les conneries que je dis, tu vois, je vais encore faire un super sur ton YouTube. Regardez comment je suis habillé. Non, moi, j'ai sorti le treillis militaire, mon gars. Il est coquet. Ouais, enfin, c'est des coques de PD, quoi. Putain, genre, les coques, elles sont au niveau du. Les coques, elles sont au tibium. Eh, par contre, fais gaffe, gros, il y a là les flics. Hein. Ouais, moi je m'en vais les couilles. Eh, toujours avec tes rétros là, mec. Ah. Oh putain. Monsieur, on se casse. Oh, c'est comment tu fais le warning? Ah, il marche pas le warning. Eh, touche pas ce que tu connais pas. Eh gros, on est clairement dans le sens contraire, on est d'accord. Ouais, on est bien d'accord. Salut. Salut. Moi, c'est bon, je les ai les 90 euros sur moi, gros. Ils sont bien au chaud là, t'inquiète pas. Mais j'ai ça, mais si on se fait arrêter, franchement, je serais pas serein, frérot. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah, ils sont blindés dans le bus, frérot. Là, ils sont au bout de leur vie, gros. Ah, on leur fait coucou, hein. Allez, bon courage, hein. Eh, mec, il était désespéré, le pauvre. Il était dans le bus. Il était comme ça. Il était comme ça. Ma vie, c'est de la merde. Il était là, merci, les gars. Allez, bon courage. Un peu, hein. Ouais. T'as vu? Hein? Donne les 90 euros. Je te les donne tout de suite. Bon, monsieur, vous allez les prendre les 90 aussi, hein? Okay. Ah ouais. Ouais, t'as vu, pour une fois, j'ai pas mon sac à dos, hein? Ouais. Je me sens pas bien.
me sens tout nu. Bon allez, on va faire le petit... La petite story. Nope, 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 nope. Merci mec, c'est adorable. Que Dieu te bénisse. On va vraiment finir par se faire contrôler, je te le dis hein. Pardon. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il y a les pioches devant par contre. Regarde les petits coups de pied bleus là qui arrivent. J'ai une ambulance, t'inquiète. Ah t'arrives en ambulance. Non. J'ai une ambulance. Je vais pas en ambulance. Vas-y, et tourne à droite. Ah non, moi je te suis hein. Oh, ils m'ont regardé comme un bandit mon gars dans tu sais dans la petite rue où j'ai un peu accéléré là. Ouais, bah tout petit peu hein. Ouais, pour moi t'étais hors la loi. Hein. Et ils m'ont regardé comme un fugitif. C'est lui. Ah, ah il m'a vénère avec son sac des livres roux là mon gars. Mec c'est un top case qu'il a. Oh ça pue ici mon gars. Ça sent le mec tu sais qui a teps. Toi je suis un gamin gros, c'est un truc de ouf. J'ai 26 ans, je parle de paix encore. C'est vrai que tu dis mais frérot t'as quoi dans la tête? T'as quoi dans le crâne? Je sais pas, je pense que j'ai jamais évolué depuis que j'ai 14 ans en fait. Je te jure c'est vrai en plus. Mais bon c'est ça qui est bon. Ne pas se prendre au sérieux. Bordel à cul. Ah ouais c'est tendu là. Hop. Technique de cheater mon gars. Allez salut. Ah j'ai où c'est mortel frérot. Ah ouais gros. Ah ouais c'est propre de ouf. Bon on vient d'arriver sur le spot. On va faire des petites photos avec le Stroumon. Hein, voilà. Avec le frérot Paris Bike. Bon allez, on va se mettre au travail. Allez. Vas-y, fais ton truc là, vas-y. Si vas-y. C'est bon, tu l'as perdu. Surprise, motherfucker. Ah, 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 ah. Prépare-toi, quoi. Hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Interdit ici. On vous demande de sortir, c'est pas possible. Hein? On va te trouver du travail. Ok, même en fait, on voulait juste prendre une photo. C'est pas... C'est pas autorisé d'être avec. C'est pas du tout. Tu pensais que ce serait table, mais non, c'est pas table. Ouais, je sais. Mais en fait, on savait, on voulait juste faire une photo parce que la vue, elle est jolie avec le pont. On allait s'en aller, c'est pour ça. Oui, mais bon, mais oui. Hein? Fallait pas commencer tes conneries. Ouais, mais en fait, on voulait prendre la photo, la moto en photo, c'est pour ça. Mais vas-y, je comprends. Bah, on remballe. C'est combien l'amende? 90 euros. Ah ouais? Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Non, c'est mort, gros. Ouais. Oh, sans déconner. Vas-y, vas-y, on remballe. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'intelligent, que j'allais pas laisser passer. Bah, il range son appareil, puis on s'en va. Enfin, son appareil qui est là, sur la moto. Bon, bah, ça part sur un échec de type totalement cuisant. Vas-y, mon gars, ils vont nous mettre les 90 euros, là. Eh, les 90 euros, c'est pas pour ça, normalement. Non, je pense pas quand même. Oh, franchement, s'il est en train de nous mettre l'amende, je vais criser sa race. Si c'est vraiment 90 euros pour être venu là, l'amende? Ah ouais? D'accord. Franchement, je me doutais que c'était interdit, mais vu qu'il y avait personne, je me suis dit pour une photo. Vous n'avez pas été verbalisé, ok? Ok, ok, bah c'est cool. Voilà. Allez, bonne soirée, messieurs. Bon courage. Merci. Ah! Oh. Moi j'ai tapé la discute vite fait avec eux tu vois.
Je fais genre, ouais, non, je suis pas du coin et tout. Elle dit, bon, vous m'avez verbalisé ou pas? Il dit, non, vous a pas verbalisé. Est-ce qu'il mytho? Putain, frérot, quel échec quand même, hein. On va se prendre une amende de 100 balles, on a même pas pris une moto, sa mère. Quel échec. Eh, c'est quoi, gros? S'ils l'ont mis, je m'en bats les couilles. Voilà. De toute façon, moi, je sais que j'avais 90 euros à perdre, quoi qu'il arrive. Voilà. Oh, putain, en plus, là, la tour Eiffel, elle est bien illuminée, là. C'est mortadelle. Bon, on est à Bir Hakeim, hein, avec la grande tour Eiffel. On va faire quelques petites photos ici, là, histoire de pas avoir perdu notre soirée, là. Putain. Ou alors, ils étaient juste en train de faire un rapport. En mode, il s'est passé ça et ça, on a vu ça et ça et ça, et voilà. Non, mon gars. Non, mais c'est sûr. Mais non, mais gros, c'est bon. Quand je t'ai dit que j'ai vraiment 90 euros, ils sont là, frérot. Hein. Ils sont là. Tenez, monsieur, pour la chicane. Hein? Pourquoi ils étaient tous les trois en train de faire? Je sais pas, gros. On était deux. Pourquoi ils sont en train de remplir trois paquets, gros? Je pense que toi, tu vas prendre 180 euros parce que t'as mis du temps à ranger ton appareil. Ah oui. Ah, ouais, voilà. Toi, t'as eu double dose. Toi, t'as eu du rab. Je dois bien avouer que ce petit GSX-R du Seigneur a plutôt de la classe, voyez-vous. Bon, on vient de finir sur ce petit spot. Hein? Quoi? Je sais pas, comme ça. Ah, ça fait de la fumée ou pas? Ça sentait le poisson. Ça sentait le poisson. Ah, on va le fumer avec sa meuf. On va le fumer. Aujourd'hui, nous allons exercer. Calmez-vous. Calmez-vous. Arrête! Parce qu'elle était en tête! Ah, je regardais, c'était tranquille avec un filet de gaz, et là, comme ça, c'est que je t'ai dépassé tout à coup, je regardais, Ah, moi, je suis passé! Ah! Rien à foutre, toi! Toi, t'es passé! Ah! Je suis ça filme là? Non. Ah, là, ça filme, gros. Putain. Attends, abonnez-vous à Instagram Paris Bike. Putain. Je fais des concours de temps en temps. Je vais gagner des chaussettes. À chaque fois, je perds. Et là, tu te demandes sûrement pourquoi on est en train de pousser nos motos pour faire le minimum de bruit, parce qu'il y a des clochards aux alentours, premièrement. Et deuxièmement, on n'a pas trop envie de se faire opérer par la police, hein. Ça nous a suffi tout à l'heure, bien que ce n'était pas des flics. Donc du coup, on est comme deux connards en train de pousser nos motos pour aller faire de la photo. Oh, les gens à côté doivent halluciner. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces deux branleurs? Et qu'est-ce qu'ils font? Mais moi, je sais pas, frérot. Allez, c'est reparti pour les photos. Allez, hein. Bon, les gars, fin de shooting. Tac, tac, tac. Fin de shooting, il est 1h-10. Je suis HS. J'espère aussi que la vidéo... voilà, qui n'était pas tout à fait prévu, mais bon, c'est pas comme ça qu'on fait les meilleures vidéos aussi, hein. Bon, les frérots, je vais vous laisser là, je vais rentrer chez moi tranquillement. En plus, je dois plus avoir beaucoup de batterie dans la GoPro. Donc, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un maxi pouce bleu, à commenter la vidéo, à t'abonner si c'est pas déjà fait, à partager, tout ça quoi. Hein, tu connais les bails. Et un énorme merci comme d'habitude au frérot Paris Bike, sans qui je n'aurais pas ces jolies photos. Allez la team, je vous laisse là, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit.
Si les hommes du vie pour vous servir, au revoir.